Alors qu'une enquête du journaliste Hugo Clément dévoilait des témoignages accablants de certains employés du parc à thème concernant les mauvais traitements infligés aux animaux, le Puy du Fou s'est défendu à son tour dans une vidéo. Sur France 5, lors de son émission Sur le front, le journaliste Hugo Clément a dévoilé des témoignages accablants d'anciens employés du parc Le Puy du Fou. Ces derniers font état de maltraitance animale, des situations difficilement supportables, comme des chats piégés et livrés en pâture aux rapaces, un agneau placé vivant au congélateur pour éviter des frais, d'euthanasie, des chevaux frappés, etc. Le concours Miss France se tient au Puy du Fou lors de ce reportage. Nicolas Devilliers, président du Puy du Fou, a été invité à réagir. Il réfute certaines de ces pratiques, passées selon lui et assure qu'aujourd'hui le parc a changé de méthodologie. Mais face au scandale provoqué par la diffusion du reportage, et alors que le 100e concours Miss France se tient ce samedi soir au Puy du Fou, le parc a réagi à nouveau, dans une vidéo, pour contester ces accusations. Suivi très poussé diffusé sur le compte Instagram du parc ce vendredi 18 décembre, cette vidéo propose le témoignage de deux vétérinaires travaillant pour le Puy du Fou. L'un d'eux, François Oza, évoque d'entrée le traitement des chevaux, affirmant qu'il y a un suivi très poussé, tant sur le plan nutritionnel qu'ostéopathique ou encore sportif. Éric Sourdin, l'autre vétérinaire témoignant dans la vidéo, insiste sur le bien-être animal respecté, avec des locaux spacieux, des litières propres et affirme n'avoir jamais remarqué le moindre signe qui pourrait présager à des maltraitances. Les internautes, peu convaincus, la vidéo vue plus de 38 000 fois semble n'avoir pas tout à fait convaincu les détracteurs du Puy du Fou, échaudés par le reportage d'Hugo Clément, en témoignent les nombreux commentaires qui l'accompagnent. Let's block ADS. Why?